Allez hop. Hop, ça c'est fait, tout qui est bon. Hop, attends. D, je suis pas bien mise. C'est bon, ça va mieux, je me sens mieux. Hé là tout le monde, salut ma poney, salut Charlotte. Il y a Sramout qui vient d'arriver. Il y a petit chat. Je t'ai vu. Viens, viens, bonjour. Salut Steph, comment ça va? Hello Gabriel. Allez. Ben alors. Regardez ces bébés. Comment vous allez aujourd'hui? Salut Alison! Un petit j'aime pour commencer. Oh, t'es trop mignonne! Salut Arsenkio! Salut Elodie! Comment ça va? Et voilà, l'autre elle a vu les filles du boulette, ça l'intéresse. Bonjour. Tu dis même pas bonjour, t'es mal poli. Salut Nat! Hello Nat! Ça va super et toi? Ça va, aujourd'hui j'ai travaillé à la maison. Du coup, genre, je me suis levée genre à 8h20. J'ai commencé le travail à 8h35. Ah, oh, c'est tellement bien! C'est trop la vie, j'étais genre. Ah, oh, j'aime trop! C'est trop la joie de commencer, de bosser à la maison. Mais après, enfin, je ferais pas ça tout le temps quand même. Hein. Parce que t'es tout, quand même tout le seul. Même si enfin, je parlais avec les autres sur un logiciel, c'est pas pareil. Bon! Comment ça se passe? Comment ça va? Oh là! Regardez-moi ce petit chat grimpeur! Eh, est-ce qu'on n'a pas une cascadeuse à la maison? Un petit peu quand même, hein. Du coup, aujourd'hui, la peau de colle. Non, mais c'est tellement ça. Aujourd'hui, on part avec Tanguy Guy. El Tanguy de la Muerte, qui est passé vieux. Voilà, qui est passé vieux. C'est pas l'arme à gauche encore, mais qui a vieilli. Et Fleur qui a vieilli en même temps que lui. Du coup, on va relooker Fleur. Tanguy aussi, parce que, enfin, bon, hein, c'est maintenant un petit papy. Donc, il faut changer ça. Hop, voilà. Salut là, comment ça va? Ça marche, Alizé. Allez, on est parti. Des fois, il y en a, enfin, j'ai l'impression, je me dis, c'est pas possible, c'est du troll, enfin, ils peuvent pas être aussi bêtes que ça, mais je vous jure, des fois, je me pose vraiment des questions. Papy Tanguy, c'est trop ça. J'ai trop envie de m'acheter les Sims, étant donné qu'il y a des promos de ouf. Bah après, ils en refont souvent, donc enfin, si tu craques pas, tu peux te dire, bon, écoute, il y en aura une, en gros, il y en a une tous les 1 mois et demi, 2 mois. Tu te dis, au pire, je... Oh my god, il y a déjà un chien de crado. Tu te dis, bon... ils sont tous dégueux. Oh my god, non, mais c'est une blague, là. Oh non, me dis pas que Virgule est en train de vieillir, mais... Attends! Me dis pas qu'on commence le jeu et déjà, il y a un chien qui vieillit. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas le son du jeu. J'espère que vous l'avez. Parce que je l'ai pas. Virgule a vieilli. Et merde. Oh là 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 là. Virgule! Ça y est. Il y a qui est vieux? Il y a Peluche. Il y a Chaussette. Chaussette. Chaussette, t'es vieille? Chien âgé, ouais, Chaussette est vieux. C'est pas vieille, pauvre garçon. Eclipsounette, elle est vieille. Virus, il est vieux. Génial en fait. Papa, faire le ménage. Amener Tanguy ici. Oui, parce que enfin, ta fille va pas s'occuper de tout. Déjà, tu vois, c'est l'hécatombe. En fait, il reste qui de jeune là? C'est moi ou il reste personne? Virgule vient de vieillir. Virus est déjà vieux. Oui. Chaussette est déjà vieux. Eclipsounette est déjà vieille. Ils sont tous vieux, les animaux. Oh my god. Ça va être l'hécatombe, les gars. Ils vont tous mourir en même temps. On va pas comprendre ce qui va se passer. Sa maison de retraite. C'est tellement ça. Je crois qu'on n'a pas le son. Ah, je ne suis pas la seule à ne pas avoir le son. Ah, bah c'est normal, j'ai laissé le son sur la télé. Ah bah oui, bah ça va pas fonctionner comme ça. Hein. Oh putain, j'ai le son à fond moi du coup dans mes oreilles. Hop. Normalement, on devrait y avoir le son. Hop, on va ranger ça. On va partir sur... Ils ont pas de commode? Ils ont pas d'armoire? Si, papa il avait une armoire, je me souviens. Hop. Oui, je savais bien. Ouais, c'est juste. Ouais, mais là, les Sims, ils vont me dire, ça peut pas passer. Attendez, attendez, attendez. On va passer ça.
Ça, bah, on va le vendre. Hein. Ah, notre fille, elle a plus de... Elle a plus de... La pauvre, elle a plus de lit, elle a plus rien. Hop. Elle est jamais allée dans le toboggan et dans la truc de balle. Elle est toujours allée dans le même jeu, en fait. Je viens de répéter. Je crois qu'elle est grande. On va remettre ça. Hop, le temps que on les relook et après on va bouger ça pour mettre un petit... non, je la vois plus avec un truc bleu. Fleur. Voilà. Parce qu'il faut un peu les relooker quand même, hein. Salut. Oh punaise. C'est beaucoup trop long. Un petit don pour virgule. Merci. Oh là là, comment je vais marquer ton pseudo? Est-ce que tu ne peux pas mettre ton nom dans le chat pour que je puisse te voir et que je puisse copier-coller ton nom? Parce qu'il est beaucoup trop chiant. Il est beaucoup trop long. Mazette, vous voulez me tuer, hein, c'est ça? Bande de petits fourbinous. Hop. Alors. J'adore papa. Putain, les vieux, ils sont toujours comme ça. Ils sont vraiment bizarres, tu sais. Ça me fait rire. Tanguy, elle tangue nous. Alors. On va lui changer, mais j'aimerais bien qu'il reste un petit peu brut de décroffre. Ah, ça y est, je vois ton petit dent. Hop. Nickel. Je change la description de ce pas. Hop. Voilà, c'est fait. Voilà, tu as ton petit nom dans la description. Merci beaucoup, Livey. Ok, je vais me taire parce que je m'enfonce. Je m'enfonce, c'est affreux. Alors, papou. Je le vois mal avec un... Oh non, pas un pull. Non, pas un pull quand même. Hein, y a des limites. Ah, un truc qui fait un peu pupul comme ça. Nickel. Bon, plutôt vert comme ça. Ça me fait mal au cœur de le voir vieux. Oh ben ça, c'est parfait. Ça fait toujours un peu bûcheron, tu sais. Et en même temps, ça fait un peu classe, tu vois. C'est le bûcheron un peu classe. Le polo de golf. Rien n'est trop beau pour Virgule. Oh non, mais pff, ils sont tous vieux, mais même les ch... Bah, Virgule, c'était la dernière à vieillir. Du coup, je sais pas qui a vieilli avant. Voilà, on va le mettre un peu plus coolos. Parce que bon, il est vieux, hein, donc bon, maintenant il s'en fiche un peu du style. Voilà. Je crois que c'était Eclipse. Ça me fait mal au cœur, ils sont tous vieux. S'il y en a un qui meurt dans le live, on va être mal, les gars. Je ne suis pas bien du tout. Ah, on a le truc dans la jungle. Et moi, je verrai plus. Mais vas-y, m'énerve Tanguy, même vieux, il est beau. Oh, le salaud. Oh là là, quel beau gosse. Regardez-moi ça. Eh, papy, il va encore draguer de la mamie, hein. Attends. Là, je le verrai peut-être plus avec un truc, voilà, un truc un peu long. Quand même. On va le laisser en jaune, voilà. Pour le dodo, on va laisser comme ça, tu sais quoi. Oh là là, ça le va trop bien comme ça. En plus, maintenant, il a les cheveux gris et tout, ça passe nickel. Une page se tourne. Amen. Et on va laisser la tenue classique. Alors, Miss Tinguette Loulette, surtout, c'est ses cheveux qu'on va changer. Parce que enfin, nous, on veut qu'elle ait des cheveux afro. Ça ne va pas marcher, oui. Hein. Alors, les chapeaux, tu me les enlèves. Oh, c'est pas ouf, ça. Après, tu me diras, j'ai des amis qui ont vraiment les cheveux bouclés, typés, bah, ils sont d'origine arabe. Mais c'est vraiment boucle, tu vois, là, c'est plus ondulé encore. Ce n'est pas totalement ce que je veux. Voilà. Ça lui va bien, mine de rien, les cheveux lisses, hein. Avec le teint qu'elle a, ses yeux. Ça va devenir un canon, les gars. Moi, je te dis, papa, il a du boulot, hein. Ça, j'aime pas trop. Celle-là, limite, avec les petits nœuds, ça fait un peu mieux, tu vois.
Celle-là est pas mal. Oh non! Pourquoi quand ils sont bambins, elle est trop shoot et quand ils sont enfants, elle fait genre oreille de mini un peu. Cette belle gosse. Ah, qu'ils ont de la chance, hein, je te le dis. Ah non, pas comme ça. Oh! Celle-ci me plaît pas mal. Avec les cheveux attachés. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Qu'il n'y ait que celle-ci en cheveux vraiment crépus, tu vois. C'est qu'elle a un petit bidou. Oh, mais laissez-la, cette pauvre enfant. Elle est très bien. Ne t'inquiète pas, Fleur. Moi, je t'aime quand même. Bon. Par contre, on va pas te prendre ça. Ça va trop avec un truc un peu comme ça, quoi. Hop. J'ai pas trop d'idées de style pour la Miss. J'ai envie d'un truc un peu confort parce que enfin, c'est un peu son. Oh, elle est tout le temps avec des chiens. On va la laisser un peu comme ça. Un truc confortable, tu vois, parce que son père, enfin voilà, quoi, hein, il est confortable. Mais un truc un peu classe quand même. On a quoi sinon, un petit jupe? Bah nickel! Un petit style bien, bien particulier. Je mettrais même des petites Converse. Oh, on dirait des petites Vans comme ça. Oh, nickel. Boum! Ah non, ça pas nickel du tout. Voilà, une petite robe avec un petit pull, tu vois. Et en chaussures, par contre. Je verrai pas trop ça. Hop là, je verrai plus ça. Qu'est-ce que c'est que ces chaussettes? Ça, mon enfant, c'est interdit par la loi. Voilà, hein, c'est interdit, on ne fait plus ça. Tu es puni par la loi maintenant. On va lui mettre des d'autres chaussures. Ah, mais c'est pas des chaussures de sport, c'est des chaussures de ville, ça, les gars. Elle va se tordre la chie, on va pas comprendre. Un style comme papa? Ouais, un peu dans ce style-là, quoi. C'est le truc. Hop. Alors, pour le dodo, qu'est-ce qu'on a? Oh, je la verrais bien avec un espèce de. Ah ouais, la girafe, la girafe. Est-ce qu'on n'a pas notre. C'est dommage qu'ils aient pas mis d'autres animaux, ça aurait été trop bien. Ah ouais, là, non, mais la girafe, quoi, c'est trop elle. Boum! Confortable dans son petit One Piece. Ma foi, la tenue de fête est vraiment pas mal, on garde. Ça, c'est pour aller à la piscine. Eh ben, on est parfait, perfecto, les enfants, tout est bon. Live eye, comme eye, ça fait mal. Ok, ça marche! Bon, faut que je m'en souvienne maintenant, ça va être compliqué. Hop! J'aime bien son petit look, ça a l'air tellement confortable, tu vois. J'adore ce pyjama, je le mets avec tous mes Sims. Mais en même temps, il est trop cool! Si papa meurt, tu l'envoies chez sa mère? Ouais. Sachant que maman, elle est pas. Elle a que 9 jours de différence, du coup, donc c'est pas énorme. Un nouveau pack va sortir avec des hamsters. D'où sors-tu cette information? Parce que moi, j'ai vu par contre un truc sur Twitter que Enes, elle a aimé. Comme quoi, il y aurait un pack qui va sortir en septembre sur les saisons! Voilà. A priori, ce serait le service client de EA qui aurait donné l'info. Ça, c'est cool. Pour moi, je pensais que ce serait une extension. Mais ça m'arrange parce que, enfin. Je voyais pas trop ce qu'ils pouvaient faire avec une extension sur le. Sur. Enfin. Les saisons. Je trouve que c'est un peu les. C'est un peu léger. Une extension complète. Mais un pack, ça me paraît plus logique. Donc, pourquoi pas. Moi, je vous avoue que ça me tenterait vraiment pas mal un pack sur les saisons, quoi. Ça voudrait dire qu'ils posent sur autre chose pour la donne. Hop. Hop, bon, après il va falloir qu'on emmène Peluche. Oh non, Peluche qui s'endort. Hop. Voilà, on va l'emmener. Non, pars pas, beurre! Vieille peau. On va l'amener et après on va partir pour un gros nettoyage de la part de tous les Sims. Je capte qu'on n'a même pas de bibliothèque, on n'a rien. C'est vraiment la déchéance, cette maison. Aucun effort n'est fait. Hein. C'est pas comme s'il y avait une petite enfant qui vivait là.
C'est pas la joie. On va mettre ça là. On va lui mettre quelques jouets parce que quand même. Hop, dans la cuisine, tu sais, c'est toujours le business dans les cuisines généralement. Toujours des trucs qui traînent. Ou le salon, mais comme ils ont pas réellement de salon. Bon, on fait comme on peut, hein. Hop, j'aimerais bien un vieux truc comme ça, tu sais, genre. Attendez. Voilà. Un peu des trucs qui donnent un peu plus de vie à la maison. Bon, ça tient pas, tant pis. La bande-annonce d'un nouveau kit est sortie. Ah! Du coup, d'où l'information du truc des hamsters, c'est ça? Ça me tente pas mal. Hop. De hamster, pourquoi pas. Je n'ai pas enlevé la chaise haute, mazette. Quelle erreur tragique de la part de la joueuse française. Voilà. Elle perd 2 points dans la compétition. C'est dommage. Bon, je vais trop loin, moi. Peluche! Petit cacatoès. Je vous jure, ce truc, il bouge, mais je sais pas ce que je fais parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est pas moi qui le bouge. Donc c'est bizarre. Hop. Le truc que tu feras de briques à l'école et que les parents scoltinent durant des années. Mais oui, à la maternelle. Tu sais, et que ta mère, cette bonne âme, garde en se disant ça se fera des souvenirs, c'est mignon. Et voilà, tu te récupères avec ça. Salut Sokyo, j'ai raté beaucoup de choses. Ah. Ça s'appelle Premier animal de compagnie, le nouveau kit. Oh! Écoute, pourquoi pas? J'espère qu'il n'y aura pas que des hamsters. J'aimerais bien qu'il y ait des poissons rouges et des reptiles. J'aimerais trop les reptiles. Salut Anna, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez à vouloir que Tanguy meure? Vous savez que les Sims âgés, ils mettent du temps avant de mourir quand même. Enfin, la Miss, elle aura, je pense qu'elle aura le temps de faire son enfance tranquille. Et enfin, après, elle va être ado, donc je pense que. Bonsoir. Déjà? Mazette, c'était rapide, hein? Dis donc, tu es qui, toi? Nobuya? Au taquet? Il est où, moi? Elle est où, peluche? Ah non? Bah, c'était la carreau? What the fuck? Carreau se réveille, dis donc! Elle travaille, cet enfant! Salut, Pepperoni! En effet, sur la miniature de la vidéo des Sims, le Sims tient un hamster. Oh, trop bien! Des poissons, il y en a déjà. Ouais, mais faut que tu les pêches et tout. Tu sais, tu peux pas les acheter tout faits, je crois. Enfin, moi, j'ai toujours acheté que les aquariums vides. Je trouve ça moins ouf. Moi, je voulais genre des piranhas, des trucs badass. Quoi qu'il y ait des piranhas dans le jeu. Bon, tu me diras, faut pêcher, quoi. Mais tu peux pas t'en occuper, en fait, le poisson. Enfin, tu le mets dedans et le truc survit toute sa life, quoi. Indestructible, le poisson. À la fin, ils disent occupez-vous d'un nouvel animal. Je pense qu'il y en a qu'un. Bah après, c'est un kit, hein. Kit, c'est pas beau. C'est petit, hein. Oula, papa mâché. Oui, ça va pas trop, hein. On va prendre des restes et on va faire dodo. Ta fille, elle, par contre, ça va très très bien dans sa vie. En plus, demain. Oh là là, demain on est samedi, elle va pas travailler. Petite feignasse, là. Hop là. Ça parle d'un nouveau kit. Oui! Le 13 mars, nouveau kit. Ok, je ne. On est le 6! La jungle, il est sorti quand? Il est sorti. Il est pas sorti il y a 2 semaines. Attendez, je l'ai noté. Pour la sortie de découverte du live. Il est sorti le 27, hein? On n'est même pas à un mois de décalage. Oh la vache. Du coup, ils sont pas à la bourre, hein. C'est ouf. Ça marche, Mouche. Je te fais des bisous. Claire que là, ils sont pas à la bourre hein, pour les sortir. Hein. Moi, je pensais qu'ils les sortiraient genre fin mars, en fait, le kit. Ils sortent tellement tôt. Oh, je vais pas me plaindre. Hein. Moi, j'aime bien. D'habitude, ils sortent toujours genre le trailer avec... Oh non! Il y en a un qui va fuguer. Mais ils sont vieux, ils devraient faire moins les foufous, là! Les gars! Oh, lui, il est pas content. Peluche, il s'ennuie, peluche, il s'ennuie. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on va faire ça.
On va faire ça et on va... Et voilà. On en a un qui fut... Virgule. Mais non. Elle a jamais fugué, Virgule. Le kit sort le jour de mes 19 ans. Eh ben, il y en a qui ont de la chance, hein. Ça, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce qu'il va pas, Belette? Câlin réconfortant. Ah mince, il a le cône, du coup on peut rien faire avec en plus. Ah, du coup elle peut lui demander d'être gentille. On a pas grand chose. Hein. Un life sans fugue, impossible. Non mais le pire, enfin, c'est que là, genre parce qu'ils se battent et qu'ils sont pas contents. Et regarde-moi ça, chaussette. Apprendre à aller chercher la balle. Chocho. Chocho la chaussette. Voilà. Pour une fois que c'est pas chaussette qui fugue, tu me diras. On peut pas tout avoir, hein. Faudrait choisir, les gars. J'ai craqué aujourd'hui, je me suis acheté les Sims 4. Eh ben, bon courage, Alizé! Dis adieu à ta vie sociale! Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Tu le sais, c'est foutu maintenant. Oh, chaussette, il ramasse bien et tout en plus, hein. Oh, vous avez vu, genre, le fait qu'elle dresse un animal, ça lui augmente sa responsabilité. Oh, c'est marrant ça. Oh, pourquoi elle est dans le rouge? Pourquoi notre enfant est-elle dans le rouge? Elle vieillit quand? 12 jours. Bon, papa, il faut pas qu'il meure avant 12 jours. Hein. Oula! Par contre, ma chérie, oui, ça va pas du tout. Allez, chouchou! Désolé, mais il est minuit. Je suis fatiguée, ouais. Allez, tout le monde, dodo! Et punaise, mais le papa, ça se voit qu'il est vieux, hein, maintenant il dort carrément plus qu'avant. Avant il dormait pas des masses. On va poster, on va aller hop, appeler et on va commencer à faire notre petit tour pour nettoyer tous les chiens. Voilà, un grand plaisir. En fait, tu l'as bien relooké, Fleur. Merci! Je savais pas que les enfants pouvaient dresser les chiens. Moi, ouais, je pense que c'est nouveau. Ah, bah tu vois le gars, t'as réussi! Ah ouais, du coup, ils sont tous en train de pigner. Ça va vous en remettre, les enfants, vous inquiétez pas. Allez, Virus! Allez, Pépère! Oh non, elle pleure dans son sommeil! Oh, trop triste! Et c'est moi où ils arrêtent pas de faire caca partout, là. Il y a trop de choses à faire. Oh, bébé. J'ai craqué pour la Switch et mon porte-monnaie pleure. Amen à toi, alors. On pourrait faire plein de grossesses à Mimiche pour qu'elle grandisse jamais. Bah, la façon, je pense que le foyer, il est rempli chez elle, donc elle pourrait pas tomber enceinte. Oh, hum, hum. Y'a les deux là, tu sais, ils étaient genre... C'est quand qu'elle revient, Virgule. On l'attend. Oh, allez hop, donnez un bain, Eclipse. Suivant. Ça fait tellement ça. Je sais pas s'il va tenir à force de laver les chiens 24 sur 24. Mais si, il a l'habitude. Ah, il y a une crotte qui s'est transformée là. Allez, petite éclipse nette. Ils ont sorti tous les jouets de la terre. C'est ouf. Oh, mais ils ont fait littéralement caca partout.
La mistinguette, elle s'est réveillée. Oh non, le bain, il est dégueu. Alors, on va nettoyer ça. Et on va faire jeter. Voilà. Hop. Pour qu'il ait tous les cacas. Voilà. Le bain est propre. On passe au ramassage de crottes. Après, on va laver un autre chien. Et après, Tanguy va pouvoir les manger. On a lavé qui? On a lavé Virus, Eclipse. On va laver Chaussette. Ah bon, ça va, Peluche, il a plus son cône, il va pouvoir être lavé. La baignoire qui développe son propre écosystème. Mais c'est trop ça! C'est genre. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses là-dedans. Hop, et elle va. Comme elle peut pas utiliser les toilettes tant que papa. Il va laver les chiens. Chouchou a pas l'air heureux. Ça peut se comprendre aussi. Hop. Non, ça on va laisser. J'ai cru que j'avais vu encore un caca, j'allais dire c'est pas possible. Mais non, c'est bon. Hop, papa, il va essuyer. Il va prendre des restes. Et l'ami, ça va en profiter. Mais si, tu peux. Hop là! It's good. Je me demande si les chiens âgés, ils peuvent avoir des bébés. Parce que, enfin, normalement, c'est comme les Sims, ils peuvent plus en avoir. Fleur est trop mimi. Oui! Oui, voilà, bien sûr. On va arrêter les conneries, petit. Hop, virus a faim. Ah oui, c'est que les gamelles sont pratiquement... Sauf une. Sont un peu toutes vides. Ah, l'aspirateur s'est mis en marche. Cool. La routine des bages, j'ai l'impression qu'avec cette famille, on fait que ça. Mais on fait que ça. Ce n'est pas une blague. Si les animaux vieux peuvent avoir des bébés. Bah, je pense que c'est comme les Sims. Enfin, les mecs, ils peuvent avoir des bébés, mais pas les meufs. Je pense que c'est. Enfin, ça doit être un peu comme ça. Non, comme dans la réalité, en fait. À partir du moment où t'as des petits spermatos vaillants, les hommes, ils peuvent procréer, genre à l'infini, quoi. Alors que, enfin, nous, en tant que femmes, bon, hein, une fois que c'est mort, hein. La ménopause, on peut plus rien faire, nous, après ça. Virgule, est revenu! Oh, bah, du coup, allez, accueillir à la maison. Moi, je me disais, ça va, il me reste plus qu'un chien, mais du coup, là, on vient de passer à deux. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce courrier? C'est peut-être Fleur qui a reçu des cadeaux. Salut Océane, comment ça va? Non merci, l'horloge biologique. Alors par contre, pourquoi je peux pas dire bonjour? Vivi! Accueillir la maison. Est-ce que je viens de l'accueillir là? Bah non, pourtant elle peut venir. Allez, viens! Oh, vieille peau. Bah ouais, faut arrêter de faire la folle et de se battre, hein. Bon, on va quand même laver Peluche parce que Peluche il n'a pas fugué, donc de base il a le droit. Il a le droit à plus de trucs. Ok? C'est comme ça. On n'a jamais dit que c'était gentil. Mais il est parti où lui? Mais il fait des pompes! Va laver ton chien! Mais il est relou, hein! Ça y est, il en a marre de cette petite routine. Il se dit qu'il est vieux, il a plus envie, je crois. Il en a marre, le Tanguinou. Ah, là, il y a un cadeau. Qui a fait encore caca dans la maison que je le dé... que je le tue? Faire un câlin. Ok, fin câlin.
Accueillir à la maison. Voilà, tout le monde il est content, tout le monde il est happy. Et elle va s'occuper de jeter le caca. Je fais ce que je veux, Nightbot. Alors déjà, tu peux lui parler, mais c'est un robot, donc en soi, il comprend pas ce que tu dis. Et ensuite, enfin non, tu fais pas ce que tu veux. Hein. Tu es dans ce qui s'appelle une société, c'est-à-dire que tu es régi par des règles, et que si tu te prends l'envie de buter quelqu'un, tu finis en tôle. Hein, c'est le principe des règles. C'est que si tu les respectes pas, tu te fais punir. Donc non. J'adore Ponelle, elle a littéralement répondu à la même chose. Elle fait, c'est un robot et non, tu ne fais pas ce que tu veux. Mais please, on est connecté! Ça, à force de se taper des oiseaux, hein, cherche pas. J'ai cru qu'il venait de se casser, je sais pas quoi. Il est tombé d'un coup, je me suis dit, bon Dieu! Hop, et virgule. Oh non, elle est malade, je crois. Elle est hébétée? Maladie. Et c'est pas possible, moi j'ai un problème avec mes Sims, ils sont tous malades. C'est une épidémie, c'est. C'est la folie, hein. Ah! Ah bah après l'écosystème dans le. Dans la baignoire, c'est dans le lavabo. Tout va bien. J'avais pas vu Tanguinho depuis un moment, qu'est-ce qu'il a vieilli? Bah la vieille, il a vieilli le live dernier. C'est vrai que ça fait un petit choc hein, quand on n'a pas l'habitude. Je comprends bien que ça peut être difficile. Je verrais bien la fille de Tanguy avec le fils à Micheline. Alors qui leur dit, qui lui dit qu'en fait ils sont tous les deux frères et sœurs, donc c'est un peu dégueulasse, ça s'appelle de l'inceste. Non, ils ne vont pas finir ensemble parce qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est dégueulasse. Je sais pas ce que vous faites avec vos frères et sœurs, vous, mais moi je ne fais pas ce genre de choses. Donc non. Ils vont pas finir ensemble du tout. C'est sale. Très sale. Timide. Ça te dirait de venir chez moi? Ah, elle est comme ça la timide. Dis donc, elle est pas trop timide là. Hop, voilà. Tous les chiens, ils sont propres. Wouh! Poney, te prends pas la tête avec Lucas, hein, tu peux le ban def. Si, de toute façon, si les gens te parlent mal, tu te prends même pas la tête, hein, tu les bannis définitivement. Hein. S'ils te parlent mal à toi, c'est comme s'ils me parlaient mal à moi, donc te prends même pas la tête, hein, ban le def. Hein. Moi, les gens qui parlent mal à mes modérateurs, c'est... tu passes par la case, tu ne parleras plus jamais dans le chat. C'est quoi cette saleté? Bah on a foutu des vieilles fringues! Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est des trucs crades. C'est peut-être pas des vieilles fringues en fait. J'ai un fameux doute maintenant que tu le dis. Nourriture de synthèse. Ah. Oui, en effet, c'était pas des fringues. Oups! C'est fou ça, j'arrive toujours au milieu du live. Qui arrive déjà, hein, il y en a plein à chaque fois. Genre, le pire, c'est genre littéralement le live vient de se terminer, la rediff est là depuis genre 5 minutes et j'ai des personnes qui disent je viens de recevoir la notif. Tu sens tellement qu'ils sont deg, tu sais, genre, mais ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule. Bon, au moins, toi, t'arrives déjà à aller sur le live, c'est pas mal. Micheline! Une fête en boîte de nuit? Dis donc, coquine! Elle est super joueuse. Je la ferais bien jouer avec eux. Chaud, chaud. Hop. Chaud, chaud! Chaussette! Tu as encore la musique des noms dans la tête, je te jure. Elle a juste sonné en début de live et. Maintenant, elle tourne en boucle dans mon esprit, quoi. Elle ne passe pas. Et c'est ouf, hein, maintenant qu'il est vieux. Enfin, il est tout le temps fatigué, papa. Ça me fait mal au cœur. Ah, mais on l'a pas ouvert, ça, en fait. Plus, tu sais pas pourquoi il a des jouets. Elle est mêlée peut-être dans la chambre de ta fille. Hop. Petit chat.
Ça, c'est les jouets pour les animaux. Une balle miaou. Ah, tiens, encore une. Hop là. Ah, d'accord. J'ai l'impression que cette figurine bug. Bon, tant pis, elle restera chez papa. J'ai envie de faire courir papa, mais j'ai peur qu'il lui arrive une bricole. Cette armée de balles. Ah bah là, c'est clair, hein. Plus dangereux et sanguinaire que les zombies, les balles. Elles sont partout. Et c'est vrai que la fin. En plus, il y en a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah non, ça va, ils ont transvasé a priori les balles. Attends. Peluche a faim. Or, Peluche se fout de ma gueule parce qu'il y a littéralement des gamelles partout. Elles sont toutes remplies. Ouais, on a fait notre petit taf là, les gars. Ne déconnez pas. Le travail a été fait. La miss, je vais faire ça. Papa, je vais le faire promener Peluche. Soins donnés aux animaux. Papa a cru qu'il allait dormir. Papa est un optimiste. Quand Micheline et Tanguy vont mourir, tu penses que tu vas continuer le let's play avec un des deux enfants ou pas? Enfin, à la base, c'était pour le challenge, donc avoir six chiens et six chats. En soi, enfin, je suis pas sûre de le continuer. Parce que si je le continue pour le continuer, pas trop d'intérêt. Je sais pas trop si je continue. Parce que, enfin, j'aime bien clôturer mes let's play, tu vois. Genre, par exemple, la famille Séraphie, enfin, pour moi, c'était fini. Puis là, je me suis dit, oh, enfin, ce serait cool si on remettait Clicli et tout. Et tu vois, genre, là, c'est cool parce que du coup, enfin, on peut rejouer avec les filles et tout. Donc, peut-être les mettre en stand-by et revenir peut-être un peu plus tard avec eux. Peut-être. Je viens de voir le nouveau trailer du prochain kit, je suis hyper déçue. Me dites rien! Il y en a qui ont l'air hyper hypés, il y en a, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, j'ai l'impression. Il provoque certaines réactions. Après, enfin, dites-vous que c'est un kit, hein, il coûte 10 euros. Enfin, à la base, c'est qu'un kit d'objets, normalement. Enfin, c'est fait pour avoir de la déco en plus, hein. C'est. Oh, ma zette! Il y a un truc qui pue là-dedans, là. Hop. Enfin, en soi, voilà, c'est fait pour avoir de la déco. Enfin, c'est pas pour ajouter du gameplay en plus. Donc, c'est ça qu'il faut dire aussi. Papa, on dirait une femme enceinte, quoi. La miss, ça va. Enlever la nourriture gâtée, ouais, c'est ce qu'elle va faire. Papa, ça va pas du tout. Il est 8 h, quoi. 8 h un dimanche. C'est un affront de faire ça. C'est interdit par la loi. Et du coup, papa, vous savez quoi? Il va servir le petit déjeuner. Oh, brouillade du petit déjeuner. Oh, ça a l'air trop cool, ce nom. Je l'ai choisi au nom, hein, je veux pas vous le cacher. Il a l'air beaucoup trop bien. Moi j'aime bien 10 euros pour un kit qui nous donne un animal à s'occuper, ça va. Bah ouais, ça va, enfin je pense que ce sera pas comme les chiens ou les chiens où il y aura beaucoup d'actions à faire. Mais ça rajoutera un petit truc en plus, ce sera marrant quoi. Moi je dis un nouvel animal dans un kit, c'est super cool. Bah ouais, enfin ça me fait. C'est pas vintage, mais ça me fait un peu penser quoi. Enfin, il y a un élément un peu sympathique du gameplay en plus, tu vois. Oh merde! Eclipsounette! Elle est malade. Elle est malade, elle est malade. Non, mais c'est une blague, toi. Papa, il te fait à manger. Range-moi ce parc de gâteaux. Va aux toilettes. Et prends ta douche. Bon, prends pas ta douche. Parce que papa, il vient de terminer la brouillade du petit déjeuner. Bon, c'est sûr, il y a des œufs. Il y a des champis. Je dirais même qu'il y a peut-être des oignons là-dedans. Oh, tu as le choix, tu as le choix. C'est un kit, mais après avoir besoin du pack chien et chat, c'est abusé. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème du prochain kit? Elia, c'est le. A priori, ce serait le fait. Oh merde, il y en a deux qui sont malades! Il y aurait a priori le côté hamster. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit parce que moi je ne l'ai pas vu du tout. On m'a parlé de hamster. Tu crois qu'ils vont faire d'autres kits pour d'autres animaux après? Voilà, ça se sentirait un peu. Enfin, on nous prendrait un peu pour des pigeons.
Après, est-ce qu'on les met pas parce qu'on les achète? Vous avez 4 heures. Non, je sais pas. Peut-être pas d'autres animés. Ou alors, ce serait pas des hamsters. Ils partiraient peut-être plus sur des trucs un peu farfelus, genre des araignées. Ou je verrais bien des trucs comme ça. Franchement, ça me ferait super kiffer. Des serpents, des araignées. Des trucs un peu marrants, tu vois. J'ai tellement hâte de voir le trailer à la loupe d'Anna. Mais oui, tellement. El Papatoès. Oui, oui. Les enfants, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même 2 chiens de malade, là, hein. C'est l'hécatombe. Va chaler, petit cœur. Ouais, c'est un peu ça. Après, enfin, ils font quand même pas mal de promos et tout, donc t'as toujours moyen de les avoir moins chers, les trucs. Hein. Allez! Oh non, mais moi, par contre, je voulais partir avec Eclipsounette aussi. Eclipse! On va la faire venir. On lit quoi? La saison, je serai la première à l'acheter. Ah ouais, bah enfin, ça, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Tout le monde, je pense, tout le monde va être les premiers à sauter dessus, tu vois. Virgule. Et après, on va faire Eclipse. Ah d'accord. Hop. Est-ce qu'on peut pas... Ouais, non, on est toujours obligé d'attendre, c'est chiant, ça. Si c'est au niveau des derniers qui tient un gros travail dessus. Ouais, bah c'est vrai, enfin... Ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent comme le jour de lessive, parce que vous savez, on a pu décider différentes étapes du kit. Attends, j'ai un truc chelou sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc bon. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir, mais j'aimerais bien, ouais, encore décider d'un autre kit. Parce que, enfin, moi, quand ils nous avaient sorti le côté sans internet et tout, j'avais trop kiffé, j'avais trop aimé. Donc j'aimerais bien qu'ils refassent ça. Les gens ont tellement gueulé pour les kits que maintenant, ils font un gros effort dessus. Bah ouais, c'est ça. Après, c'est 10 euros quand même. Enfin, tu te dis que pour 10 euros de plus, t'as un pack avec pas mal, beaucoup plus de choses, je trouve. C'est pour ça que moi, à la base, j'avais pris pack et add-on et pas kit, quoi. Parce que, bon... Ça, quand même, ça coûte, hein, quand tu t'arrives en plein milieu du truc et que tu les as pas achetés au fur et à mesure. Enfin, c'est un budget, hein. Salut, Dina! Comment ça va? Ah, bah, génial! La tweet au sel bégère. Bon, on va le mettre le bon traitement parce qu'on n'est pas des... On n'est pas des monstres. Voilà. Ils ont officiellement sorti Sims Mobile. Oh, pourquoi pas, on le testera peut-être un week-end. Allez, on est reparti pour attendre. Moi, j'achète un bundle. Bah, c'est le meilleur à faire. Hein. C'est quand on n'est pas trop patient, trop impatient. C'est ce qu'il faut faire. Et la Caro, elle s'est réveillée, j'ai l'impression. Hein. Elle va beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Enfin! Il était temps, j'ai envie de te dire. Hop, et nous, on va rentrer à la maison. Hein. On va se rentrer à sa case. Oh non, Eclipse, elle est dégueu. Virgule, ça va. Il est pas dégueu. Bim! C'est vrai que là, tu vois, ils viennent de me dire « Faites pousser la rare plante vache. » Je l'ai jamais faite, la plante vache. Mais c'est comme les extraterrestres, j'ai jamais fait d'extraterrestre. Or que pourtant, le kit, enfin, la donne au travail, ça fait un petit moment que je l'ai. Je me dis qu'il va falloir que je le sorte, celui-là. On se fasse une spéciale extraterrestre. Ah, elle peut pas nettoyer ça? Ah d'accord, très bien. Je note. Bah, termine ta brouillade quand même, petite. Faites avec amour. Bon, les Sims Mobile sont pas compatibles avec mon portable. Tu dois avoir un vieux téléphone parce que, enfin, le mien qui avait 3 ans, il... Quoi que tu me diras, je l'ai pas testé. Ok, j'ai rien dit.
Je l'avais téléchargé pour sur PC, c'était plus simple. Donc j'avoue, j'ai rien dit. Je ne sais pas s'il passerait sur le mien. Bon alors, qui est réveillé? Oh bah tiens, si on faisait une petite promenade. Ça fait un moment qu'on lui a pas fait une petite promenade. Non, pas courir parce que c'est des coups à faire clamser Tanguy, ça. Voilà. Ce serait dommage de le tuer quand même, hein. Ne cours pas, je t'en supplie, papou. Mets pas ta vie en danger. Ah, il part. Ne meurs pas maintenant, s'il te plaît. Vous savez qu'en plus, c'est souvent à la fin des lives qu'on a des petites surprises. Tu sais, quand tu relâches ton attention, ils en profitent pour crever, les cons. Chaque fois, ils nous font le coup, hein. J'ai bien vu, hein, j'ai bien vu. Meurs pas, papou. Mais c'est trop ça. J'aime Samsung Galaxy. Non mais ça, c'est comme si tu disais, j'ai un iPhone. Ouais, enfin, si t'as le premier iPhone, oui, c'est sûr, ça va pas fonctionner, hein. Ça dépend du numéro de ton Galaxy, tu vois. Cours pas. C'est trop ça, c'est là. Viens, papa. Il est où? Oh, punaise, mais c'est qui galope en plus, le Zozio, là. Bon, ça va, il s'est arrêté. Oh merde, il repart ce coup. On aurait dit Timmy quand elle était petite. S'il te plaît, papa, ne meurs pas. Ta fille n'est pas encore médecin, elle peut pas te sauver. Oh là 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 là. Déconne pas, papou. Ouais, mais c'est tellement ça. Mon portable a même pas 2 ans. Enfin, tu l'as acheté il y a peut-être pas 2 ans. Peut-être que lui était déjà sorti avant. C'est comme mon LG. Enfin, je l'ai acheté, je l'ai utilisé 2 ans. Mais après, enfin, je l'ai acheté, il était déjà sorti depuis presque 2 ans lui aussi. Donc, enfin, en soi, le téléphone a 4 ans. Des fois, faut compter comme ça aussi. Faut pas compter en temps d'utilisation que toi, tu as fait. Aïe, et c'est fait mal. Mais en sortie réelle du téléphone. Et des fois, tu dis, ah oui, je comprends bien qu'il soit un peu fatigué. Bon, papou, il va arrêter de courir la bamboula, là. Va rentrer à la maison. Allez, rentre à la... Ah, oh. Mais oh, les sales mômes. Oh la vache. Oh là là. Ah, ils se sont fait plaisir. Oh, les petits morveux. Regardez-moi ça. Ah, de toute façon, je crois que les... Caitlin et Annabelle, elles les détestent, ces deux-là. Elles, je suis pas sûre, j'ai un doute maintenant. T'as regardé Manon, elle est toute seule, quoi. Ça sent qu'elle est pas aimée dans le groupe, hein. Ça se voit direct. Le bins aussi, cette maison. Résiste, papa! Vous inquiétez pas! Papou est un survivor. Parce qu'en fait, je me dis que... Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on nettoie Eclipse. Oh non, virgule, elle est triste. Attends, petit chat! Petit chat, oui, voilà, petit chien! Promenez! Courte promenade, voilà. Ça va faire du bien, papa. Le sol, c'est l'apocalypse. Dans la bûche, Charlotte, quand même. Bon, c'est pas l'apocalypse. C'est juste horriblement sale. Et tout. Je crois que les virus a faim. Mais virus aussi, il est chiant. Il peut pas aller... Non, elle peut pas donner des bains aux chiens. J'allais dire, il peut pas prendre dans les gamelles. Non, il y a encore une gamelle de plaine. Hein. Virus, c'est vraiment une petite feignasse. Ah, elle peut pas appeler les animaux? Ah, si! Je veux l'appeler parce qu'il a l'air un peu bête. C'est virus un petit peu, hein. Il est vieux, hein, ça l'aide pas. Est-ce que le quartier des enfants a un problème? Peut-être! Ah oui, bah en même temps, Nénette, si tu l'appelles alors que tu es dehors, oui, il va. D'accord, ça ne fonctionne pas. Rien ne va, rien ne va. Bon, écoute, c'est quoi, remplis toutes les gamelles, au moins on est sûr qu'il y en a une, il la mangera. Bon, il a l'air peut-être un peu neuneux aussi sur les bords, lui, donc... Chocho, il est où? Elle chaussette, ah. Hop. Elle, à chaque fois, elle se prend le jouet dans la figure, je sais pas comment elle fait. Je crois que les promener, leur donner à manger, ça fait monter la responsabilité. Mais les enfants, ils peuvent pas promener les chiens. Et peut-être que c'est pas bête. Je regarderai la prochaine fois.
Comment il gueule, lui? Fais-lui un petit cala. On va lui balancer la petite balle. Donner la balle à... Chocho! Oh. Attendez, mais ils sont trop mignons! Mais please! En plus, on dirait qu'ils font dodo debout. C'est un peu bizarre. Oh, regardez comment Chocho il la regarde! T'es trop mignon! Mon petit cœur, il faiblit! J'ai cru que papa était en jaune, tu sais, avec une aura jaune comme les fantômes. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Je vous jure, j'ai peur qu'il nous clame dans les mains, dans les bras. Ce serait dommage. Bisous, à toutes sur Twitch. À toutes sur Twitch, ma petite Tilo! Je fonce sérieux. Mais ouais, ils sont trop mignons. En plus, je crois que c'est vraiment le chien qu'elle préfère. Elle s'entend bien avec... Ou quoi que tu... Elle s'entend bien avec Peluche, c'est un pote. Virgule, c'est une connaissance. Mais Mimiche... Bah oui, oui. Ok. Ah, si je veux venir chez elle. Ouais, bon, ok. Pour la fin du live. On dirait que sa vie est en jeu quand il la boit. Ah, je trouve ça toujours. Toujours. En fait, ça va, elle est amie avec Peluche. Mais ça, c'est quand elle était bambin. Vous savez, ils peuvent faire des actions avec les animaux. Et du coup, c'est comme ça qu'elle était devenue amie avec Peluche. Et là, pendant son enfance, ses chaussettes, voilà. Son cœur est pris. Tu regarderas la BA du prochain kit sur Twitch, du coup? Bah oui, bien sûr. Passe du temps en famille. Ça, c'est trop marrant, tu vois, genre... Le jeu a compris que sa mère, c'était Mimiche. Et du coup, enfin... T'as vraiment des trucs à faire, quoi. Ami. Et on va parler avec Charlot. Le petit Charlot. Regardez ce petit bambino en couche-culotte. Tout mignon. Ah, les démons. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Ils avaient pas manqué. J'essaie de me concentrer 10 minutes pour mes devoirs de chinois. Ça fait trop badass quand tu dis ça. En vrai, ça doit être horrible à apprendre, enfin, parce qu'il y a plein de kanji et trucs comme ça, enfin, des trucs bien chose au night. Mais dit comme ça. Enfin, quand même la classe. Ah, elle lit plus rapidement des amitiés avec les chiens parce qu'elle est amoureuse des chiens. T'as toujours des chats qui miaulent à la mort, quoi. Il y a des choses qui ne changent pas. Hop. Voilà. Le japonais, c'est mieux. C'est vrai que ça fait plus rêver le Japon que la Chine. Franchement, je trouve que c'est quand même badass de dire j'ai des devoirs de chinois. Toi t'es genre, moi j'essaie d'apprendre mon espagnol et je galère. C'est vrai que ça fait moins rêver quand même, hein. Oh mince, la manière taquinée de manière malicieuse, ça n'a pas fonctionné. On va s'excuser. On va faire ça. Oh, du coup, elle a fait résolution de conflit. Oh, ils sont trop mignonnes. Non, mais please, regardez-moi cette photo. Ah, attendez. Elles sont trop mignonnes, quoi. Oh. J'entends Charles qui fait le con à côté. Putain, elles sont trop... Trop cool! Fleur, elle est trop mignonne avec tout le monde! Hop!
Bon, allez, je pense qu'elle va rentrer à sa petite case. Allez, salut! Hasta la vista, maman! Je te fais un câlin avant que tu meurs, maman. Oh, mais non! En plus, elle devrait plutôt faire ça avec son père. Enfin, maman, elle est encore adulte. Plus pour très très longtemps, mais elle l'est encore! Alors que Tanguy, nous, enfin, il est passé vraiment de l'autre côté, quoi. Oh. Ah, du coup, papa est déjà au lit. Très bien. Bon, tu me diras, il est 23h aussi. On va prendre des restes et après ça va partir sur un petit dodo des Mifa. Parce que là, il y a quand même besoin. Hein. Hop là. Va voler les jouets de son frère. Petite machine. Toi, t'as plus de jouets que moi. Du coup, je te pique. Je te pique des jouets. Allez. Le dodo. Le dodo. Surtout que c'est lundi. Hein. C'est la tribu, quoi. La meute. La meute de chiens, là. Et tout le monde, ils font des dodos. Trop mignon. Il y en a un qui... Il nous en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ils sont tous là. Ah, et du coup, enfin, avant, il y avait quelqu'un en plus. Alors, papou. Hop. Je te jure, cet enfant, par contre, qu'est-ce qu'elle cause dans son sommeil? Elle pleure, elle rigole. Elle fait trop de choses. Oh. Oh, je sais pas pourquoi je le sentais. Oh. Attends. Mistinguette. Non, elle a plus faim qu'autre chose. Pas, il va réparer. Fleur part à l'école. Ah d'ailleurs, d'accord, elle a même pas eu le temps de manger, pauvre bichette. Allez, papa! Oh là là, maintenant il sait tout faire, papa. C'est le beau gosse. Oh non, il y a un chien qui est malade! Je m'en fiche, on a bientôt fini le live. Je ne prête pas attention. Est-ce qu'on ferait pas... faire un parcours d'obstacles avec Peluche. Voilà. Pour terminer ce live en beauté. Oh non, Pepe! Mais... Il cherche un trésor. Allez bien, petit! C'est le truc qu'on n'a jamais fait, en plus. Il y avait trop de trucs à faire, on n'avait pas le temps de s'occuper du parcours d'obstacles, du dressage et tout. Enfin, il nous manquait plein de trucs. Ah. Ah bah là, par contre, c'est mal barré. Hein. Oh non, ça va, il a compris. Ah, il y a un caca. Oh, il y a deux caca. Ah, il a fait une faute. D'accord, ok. Bah, enfin, il a sauté, hein, pourtant. Hop. Le courrier a été distribué. Bon, ça va. Dis donc, les factures sont... Je comprends pas parce que Tanguy il a un terrain immense et il paye moins de factures que Clic-Clic a un terrain minuscule. Ça. Peut-être les impôts qui passent avec son entreprise, je ne sais pas. Bon, ça va, il a fait qu'une faute pour l'instant. Mais c'est qu'il est pas dégueu, toutou! Du dos, pas mal, pas parfait. Peluche a fait un temps de 2 heures et une faute sur son parcours. Est-ce que Tanguy lui procure de l'entraînement et de la discipline nécessaire avant de lui refaire faire ce parcours? Bon, ça va, il est pas dégueu notre chien. Bon, je trouve plutôt pas mal quand même. Hein. Du coup, animal champion. Observe un animal réussir un parcours d'obstacle. Tanguy est très fier de son animal. Peu d'animaux. Pour réussir aussi bien ce parcours d'obstacles, Tanguy peut se vanter maintenant. ça va, Stram? Par contre, moi, je me vante pas de mon chat qui essaie de me piquer l'eau dans ma tasse. Ça va? Posé au KLM, toi? Mais elle recommence, hein? Dure de la feuille, cette petite! I see you, bitches! Je te vois.
Elle se pense discrète, elle est devant mes yeux, mais non, non. Ça va passer, ma gueule. T'inquiète. Bon, et c'est sûr, Tanguy, qui mange son petit gâteau, qu'on va se laisser. J'espère que ce live vous aura plu. Moi, je vais continuer tranquillou sur Twitch, sur du Minecraft, comme ça, tranquille au KLM. Je vous retrouve donc tout de suite pour ceux qui vont sur Twitch. Sinon, Twitch, voilà, sur Twitch. Sinon, pour tous les autres, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau live YouTube. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!